africaine, avec une coiffure africaine, naturelle. Mais c'est le bois qu'on appelle bois wenge. C'est un bois noir qui est inattaquable, aucun insecte ne peut pas attaquer cette herbe. Merci. Il disait ceci, que tous les Congolais doivent savoir qu'on ne peut pas servir l'intérêt général de la République démocratique du Congo en les divisant, en vouloir créer l'Est de sa part, le Nord de sa part et l'Ouest de sa part. Donc déjà en 1959, il prédisait les soucis de séparer la RDC. Donc c'était un homme visionnaire. Déjà à cet âge-là, il luttait contre la balkanisation. Merci beaucoup. En tout cas, il restera d'une très grande inspiration pour vous. Alors ça, c'est le fleuve Congo. C'est aussi une force. C'est pour ça qu'on veut faire des tingas. C'est sûr, on veut faire des tingas. It was very interesting and very inspiring talking to the Prime Minister. Parler avec le Premier ministre. Because he gave us a very good idea of where Congo is going. Parce qu'il nous a donné effectivement la destination de la RD Congo. Le progrès que le Congo est en train de faire, surtout dans le domaine de la construction des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, même du secteur de la gouvernance, donc par rapport à la gestion des ressources naturelles. Et naturellement, la RD Congo est bien lotie avec des ressources naturelles, des ressources minérales, mais aussi la grande ressource qui est la population, la ressource humaine. Donc c'est très encourageant de voir qu'il y a des investissements qui sont faits pour les jeunes, pour qu'effectivement, ils puissent effectivement de jouer leur rôle en termes de développement, de développer l'économie, parce que la RDC doit être l'un des pays les plus forts. Évidemment, donc étant encouragé par tous ces progrès, ceci montre aussi, et ça c'est tout à fait évident, que si la RDC était stable et avait la paix, la RDC aurait pu faire davantage. Et elle peut faire davantage en termes du développement non seulement de la RD Congo, même de la région tout entière. Donc voilà un tout petit peu ce dont on a parlé avec Son Excellence. Bon, en tout cas, j'aimerais être honnête avec vous. Nous n'étions même pas au courant
de tous ces progrès. Mais maintenant, nous savons. Et nous pensons que, surtout dans la mesure où ce progrès qui est fait est réalisé par des ressources internes à la RD Congo et pas vraiment l'aide au développement ou des bailleurs, ceci prouve à suffisance que la RDC est en train de s'assumer, prend la charge de sa destinée et aussi imprime la vitesse avec laquelle la RDC se développe. Et donc, ceci, c'est un exemple à partager avec les autres. Thank you.